Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, un nouveau concept. Et pour ce nouveau concept, je suis avec ma copine Eunyang. Bonjour à tous. Donc Eunyang, pour ceux qui ne savent pas déjà, c'est ma copine. Suivez sur moi sur Instagram, vous l'auriez su, il le faut. Mais en tout cas, elle est coréenne. Et justement, on est là pour y faire un peu de coréen. Aujourd'hui, le concept, c'est qu'on va dire des phrases. Toutes utiliseront le mot nun, qui en coréen veut dire neige, mais aussi œil. Et ça sera à vous de deviner si on l'utilise pour dire l'un ou l'autre. Allez, c'est parti. C'est parti. Nous t'aidons. Nous t'aidons. Nous n'y dérida. Nous n'y dérida. Nuni 좋지 않다. 눈이 좋지 않다. 눈을 보다. 눈을 보다. 눈사람을 만들다. 눈사람을 만들다. 초롱초롱한 눈으로 보다. 초롱초롱한 눈으로 보다. 아침 일찍 눈을 뜨니 창밖에 눈이 내리고 있었어요. 아침 일찍 눈을 뜨니 창밖에 눈이 내리고 있었어요. 하지만 저는 눈이 좋지 않아서 눈을 잘 보기 위해 안경을 써야만 했어요. 하지만 저는 눈이 좋지 않아서 눈을 잘 보기 위해 안경을 써야만 했어요. 눈을 보니까 눈사람이 만들고 싶어졌어요. 눈을 보니까 눈사람이 만들고 싶어졌어요. 그래서 동생을 깨워 초롱초롱한 눈으로 눈사람을 만들러 가자고 했어요. 그래서 동생을 깨워 초롱초롱한 눈으로 눈사람을 만들러 가자고 했어요. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire combien de phrases vous avez trouvées, si c'était trop compliqué ou pas. Tu veux ajouter quelque chose? J'espère que ça va vous aider. Et voilà, moi aussi j'espère que vous avez pu apprendre des choses. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager à des amis qui apprennent eux aussi le coréen. Allez, salut à tous! Bye.